Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du chat de canard, ce live sur Matters Energy, le numéro 4 et le numéro 5 de nos lives, je crois. Enfin, pas un live, ce n'est pas un live, c'est une émission normale, désolé, c'est tellement l'habitude de remettre au live. Hop, oula, raté. C'est pas grave, on va foncer, on va essayer d'aller récupérer, excusez-moi, je bafouille un peu. On va essayer d'aller récupérer en bas tout simplement notre truc. Alors déjà toi, t'as un petit peu de truc. On va te mettre un pulvérise gold. On avait commencé à faire un générateur à cobble ici. Qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc on a de la cobble illimitée. Maintenant il va nous falloir faire de la lave illimitée. Pour s'amuser un petit peu plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire fondre du gold en espérant que ça se mélange pas avec des trucs. Faire des trucs chiants. Ah là on a eu de l'épasiton. Très bien, je sais pas ce que c'est que l'épasiton. Épasiton, est-ce que c'est bien ça? 4 d'attaque. Ouais. Je sais pas du tout l'épasiton ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que ça protège bien ça? Ouais. Bon bah c'est pas grave, on va vider tout ce qu'on a là un peu. Le bronze, le Damascus et les pasitons du coup. Et on va recommencer, on va retourner en bas. Copper. Est-ce qu'on a du copper qui traîne là beaucoup? Ah mince, on a plus de gold pour ça. Si on a du pour au gold or. Je sais pas s'il sera pris direct dedans. Est-ce qu'il est cuit? Non, il ne se cuit pas. Bon, c'est pas grave, on va aller rechercher derrière le pour gold or. Ce qu'on va faire pendant cet épisode, on va faire un petit truc assez sympa. Déjà, premièrement, on va venir chercher un peu de potato. Et on va aller en cuire. Parce qu'on commence un petit peu à avoir la dalle. Donc je sais que vous avez pas arrêté de me crier dessus en me disant « Eh Chad, évite de cuire, évite d'utiliser les cookies, de toute façon, c'est la monnaie du jeu. » Oui, c'est la monnaie du jeu, mais si je me souviens bien, les cookies ça se craft avec de la wheat et avec des cocoa beans. Cocoa beans qu'on peut utiliser en faisant une synthèse. Donc... à la limite, la monnaie du jeu, on peut la recréer plus tard avec de la cellulose et de la cellulose et de la théobromine. Voilà. Donc avec de la cellulose et de la théobromine, on peut avoir des cookies infinis. Donc du coup, je m'en fous un petit peu que ce soit la monnaie du jeu. Ça va nous embêter un tout petit moment, mais ça reviendra assez vite. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? L'objectif d'aujourd'hui, ça va être d'aller dans l'observatoire et de redescendre dans la barre d'en bas. On avait vu en bas, au niveau de la petite salle pour descendre, là où il y avait les tonnes de trucs. Toi, viens encore là, toi. Oula. Oula. Aïe, 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 aïe. Ah bon. On avait vu dans la salle du bas, la salle où il y avait tous les trucs. On avait vu que... Alors, attendez, réacteur. On va passer par le réacteur, l'observatoire qui est là-haut. On avait vu dans cette petite salle que l'on avait quelque chose d'assez sympathique. Il y a encore du monde là. Hein, bon, on va passer. Peaceful, 2 secondes. Voilà, pour récupérer les infos. Hop. Voilà, parce que sinon ça va être encore le bordel. On avait vu dans notre petite salle du bas qu'on avait pas mal de ressources. Et on va aller les chercher. Alors, on va aller les chercher. Déjà, on va se remettre en easy. Parce que ça sert à rien de se mettre en hard. Et puis, franchement, voilà. Hop. Franchement, quand on voit le nombre de mobs qui se ramènent. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, on va aller dans la salle du bas. On va essayer de garder un peu de torche quand même. Ça ici, ça ici. Place in a crafting window to craft it pour me ranger. Ok, bon. Ah, 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 ah oui. Là, il y a un peu, pas mal de creepers. Voilà. Voilà. Hop, on va aller dans la salle du bas. Quand on en aura terminé de jouer à cache-cache.
avec tout le monde. Voilà. La salle du bas, on avait vu qu'il y avait plein de ressources. Le problème, c'est qu'il y a du mob. Alors, comment on va faire pour gérer ça? Déjà, on va tuer les mobs. Et ensuite, on va refermer ici. Donc, hop. Voilà, comme ça, on est déjà un minimum tranquille. Donc, eux, ils vont se foutre sur la tronche. Voilà, et on voit que sur le côté, donc là je suis mort avant, mais sur le côté, on a un truc, on a... elle est où la bonne sortie? On est où? Là, React VM. Bon, c'est pas grave. Special IO, Observatory. Sur le côté en bas, on a... comment dire? Oula, j'ai des gros pics de lag. Sur le côté en bas, on a quoi? On a un de la Cursed Earth. Donc on va essayer de l'allumer. Enfin de l'allumer. De la lit quoi, surtout. Hop. Putain, bien entendu, il y a tout le monde. On n'aura pas le temps de repasser en peaceful. Si, ça me surpose. Bon, très bien. Voilà. Hop. Hop. Ici, on a de la Cursed Earth. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette Cursed Earth? Bim, on va la torcher. Là, on continue à torcher un petit peu autour aussi. Et là, on en a aussi. Donc, bim, on va la torcher. Et du coup, là, en théorie, je le dis bien, on devrait être à peu près bon au niveau de notre spawn. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui devrait spawner, on devrait être tranquille. Donc, ce que je vais faire, voilà, c'est que là, je vais continuer à bourrer un petit peu. Mais on a découvert tout ce qui était là. Donc là on est bon. Hop. Prendre ça et puis on va faire le clic droit, ça ira plus vite. Voilà. Et maintenant du coup on peut aller miner ici tranquillement. On peut miner tranquillou. Voilà. Si on commence à casser les trucs, ça va pas le faire. Voilà. Donc là on va pouvoir se faire bien plaisir niveau LED, niveau plomb et niveau argent. Donc, hop, hop. Hop. Je tenais à dire aussi que j'ai reçu mon abonnement. Ça y est, c'est bon. J'ai mon abonnement à l'AFPA. J'ai mon passe pour rester chez moi tout le temps, autant que je veux. Donc, autrement dit, c'est le grand retour des lives du canard. Le grand retour des lives du canard qui se fera soit sur la chaîne Twitch. Donc twitch.tv slash pour le moment Shadow 70-200. Enfin de toute manière normalement vous devriez avoir les notifications. Soit sur hitbox.tv slash chatcanard. Plus souvent sur hitbox parce que Twitch en fait c'est bien mais ça me fait partir en voilà quoi. Ça me fait partir en sucette parce que pas assez de. Parce que j'ai des drops, j'ai des frame drops alors que j'upload. Ah, pas beaucoup et que je fais exprès. You and your pickaxe are living legends. Ah, très bien, ça y est, il a terminé. Legendary legend, wait for it, Derry. Voilà, donc on va péter un peu tout ça. Tac, tac. On reviendra un peu plus tard avec une shovel ou avec un truc qui nous permettra de récupérer la Cursed Earth. Certainement une shovel qui a automatiquement oula. Qui a comment dire? Qui va avoir ah comment ça s'appelle déjà ça? Silk Touch, voilà. Certainement avec une shovel Silk Touch, on reviendra. Oula. Oula. Oula, oula, oula. Non, lâchez-moi, 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 moi je m'en vais. Moi je m'en vais, mais... Ah, je me casse, moi. Voilà, foutez-moi la paix. Tant que j'arrive ici. Aïe. Et je suis passé, c'est bon. On est à l'abri. Ouf. Donc on a récupéré toute la dose de silver et la dose de plomb. Voilà, on a encore du copper, on a des baked potatoes qui nous attendent là. Tac, 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 tac.
Donc, quel est le truc d'aujourd'hui? Et ben, le truc d'aujourd'hui, ça va être de se faire une épée déjà, parce que ça commence à être un peu chaud patate pour nous, comme ça, de façon nature. Façon nature peinture, ça commence à être chaud patate. Donc, il faut qu'on se fasse une épée. Une épée, déjà, il va falloir qu'on s'arrange pour vider un peu tout ça. Donc, il va nous falloir de quoi le vider, pour commencer. Donc, pour le vider, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va commencer déjà par faire un petit peu de ménage. Un petit peu de ménage, pardon. On va commencer par faire des comment ça s'appelle des tanks, voilà, des tanks, des portable tanks comme ça. Hop. Un portable tank qui se craft avec un copper et 4 verres. Donc on va en faire quelques-uns des portable tanks. Pourquoi? Bah c'est très simple. Le portable tank, une fois qu'on le place ici et qu'on fait couler, ah, une fois qu'on le place bien, pardon, et pas en précipitation. Une Crescent Tamer. Une fois qu'on le place bien, qu'on fait couler dedans et qu'on le récupère avec un Crescent Tamer, on peut récupérer nos ressources. Donc là, on a notre hépaziton et à l'intérieur, on est à peu près tranquille. On a notre bronze et notre Damascus qui nous attendent bien gentiment. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un petit peu dans le principe à faire du Damascus, à faire du bronze, à faire des trucs comme ça et à pouvoir récupérer un peu de tout. Donc, vu qu'on a aussi maintenant notre cobble illimité, tac, hop, on va être un peu tranquille au niveau de la création des trucs. On va faire plusieurs choses. On va faire plusieurs choses, oui, mais on va faire quoi? Et bah pour commencer, on va créer de la lave. Et cette lave, on va la récupérer. Comment on va créer de la lave? On va tout simplement mettre de la cobble dans le magma crucible. Ça va nous créer de la lave. Cette lave, on pourra la transporter. Et bien entendu, on va avoir notre réacteur qui va se vider un petit peu. À la limite, ça c'est pas grave. S'il se vide de trop, on le re-remplit comme ça. Petit coup. Vu que là, on a quand même tout notre yellowite qui est ici. Voilà, ça le refait plein un petit peu. On pourrait l'accélérer avec des perles, des enderperles et puis de la redstone liquide. Mais bon. Pour le moment, c'est pas trop mal ce qu'on a. Clabim, hop. On va juste faire cuire un pour avoir un de lave ici. Est-ce qu'on a un seau dans le coin? Non. Est-ce qu'on a de quoi encrusté? Oui. On va se crafter un petit seau. Voilà, un bucket. On va aller récupérer ici la lave. Tac. Cette lave, on va aller la reposer dans notre fonderie là. Voilà, aïe. Donc ici. Tac. Voilà. Et ça c'est vide. Ouais, ça c'est vide. Bon, on va venir, on va le prendre et puis on va le poser ici. Et on va le remplir de la suite, c'est-à-dire du Damascus. On a encore un petit peu de Sealstone, là on pourra en faire couler une ou deux avec nos cobbles. On verra ça plus tard. Hop. Le Damascus, on va le poser là. Voilà, ou alors on va faire mieux. On va faire mieux parce que on va avoir avec, à cause de métallurgie, on va avoir 3 tonnes de différents. Comment dire, différents métaux. Voilà. L'urgie. J'aimerais bien voir dans métallurgie les. S'il y a un bouquin. Parce qu'à la longue, ça pourrait m'intéresser. Déjà, on peut faire des explosifs. Alloyeur, crusher, forge. Forge, c'est quoi ça? Machine frame. La forge, elle sert à quoi? Oh. Déjà, il faut qu'on fasse notre chemical décomposeur aussi. Notre décomposeur qui se craft avec un bloc de piston et un bloc d'iron et des pistons pour l'atomic manipulator. Avec 4 Damascus Steel Ingot, un Basic Capacitor et des pistons pour l'Atom Shrinking Module.
Atom Shrinking Module et des laboratory blocks. Je crois qu'on avait de quoi faire. On a un peu de Damascus qui doit traîner là. Damascus, parfait. On va prendre ça et puis on va faire notre décomposeur. Alors, l'Atom Shrinking Module, il nous manque quoi? Il nous manque un basic copper. Il nous manque quoi pour ça? Il va nous manquer les Angmalen ingots. Les Angmalen ingots, on avait dit que c'était tout simplement de l'or et du fer à raison de 1 or pour un fer. Et on avait dit aussi qu'on était un petit peu à court d'or. Est-ce qu'on a du copper qui traîne? Non. Du gold. Bah, on a des pour gold or là. On en a 28, ça nous fait une. Ce qui nous fait deux Angmalen ingots. Faut qu'on aille récupérer pas mal de copper en bas. Et pour récupérer pas mal de copper en bas, il va nous falloir notre hammer. Alors, un hammer, n'importe lequel. Celui-là, il va à quelle vitesse? 2,08, 2,4, 2,24. Le brass hammer, on peut le récupérer parce qu'on a pas mal de bronze. Puis à la limite, on pourra rajouter du brass, mais je crois que c'est... Ouais, voilà. Uniquement le steel et l'obsidienne qui marchent bien. Donc, hop, obsidienne on le récup, le brass on le récup, et le steel c'est bon, il n'y a rien qui est changé dessus. Donc, retournons dans notre Miner's Delight. Maintenant qu'on a tout ça, Special IO, on va ranger ça, la retourne dans la garde pour la ranger, et il nous faut la Miner's Delight. Rotonde, on la range. Et Miner's Delight, on le charge. Hop. Observatoire. Parfait. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner ici. Non, non, l'ineffable, on le laisse. Par contre, ça, on peut le péter. C'est bien rigolo, mais ça nous protège pas des masses. Enfin, c'est surtout la partie là qui va nous protéger. Hein. Comme ça. Voilà. C'est cette partie-là qui nous protège de tout. Et j'ai un coup de fil, donc je vous rappelle. Enfin, je reviens tout de suite. Nous revoilà donc pour la suite. Donc, on en était où? On en était à aller chercher un petit peu d'or. Alors là, il y a du monde. Il y a pas mal de monde dans le coin. Ouh. À essayer d'aller par là. Alors on va la tirer l'autre là. Viens voir par là toi. Lui il s'est pris un coup déjà. Y avoir te prendre des couteaux aussi. Voilà. Alors par contre je me rappelle plus par où on était passé. Et on devrait penser un petit peu. Voilà, je pense qu'on va récolter un peu de diélorite au passage. Aïe! Voilà. Hop. Voilà. Allez, encore de la diélorite. Ouais, on va récolter un peu de diélorite. Histoire de simplement pouvoir recharger le réacteur, parce que c'est bien rigolo tout ça, mais niveau yellowrite, on va être rapidement à sec si jamais on veut vraiment être optimum au niveau de notre réacteur. Bon, alors, par là il y en a. Oula, par là il y a du monde aussi. Hop, par là aussi. Bonjour. Hop. Hop. Donc ouais, j'ai décidé aussi de me laisser en easy, de rester en easy, pour une simple et bonne raison, c'est que bah si je meurs tout le temps c'est pas drôle, et en easy c'est un peu plus simple, voilà. Donc, hop, hop, hop. De toute manière vous aimez bien mes fails, je sais, mais au bout d'un moment faut bien progresser, ça fait 6 épisodes, on a quasiment rien fait, donc voilà quoi. Hop, hop, hop.
On récolte la yellowite. Hop. Et oui, je me suis dit qu'il valait mieux que je laisse les moments où je vais miner pour une simple et bonne raison. C'est que, eh bah, vu qu'il y a tout le temps plein de monde, je risque plus facilement de mourir qu'avant. Donc dès que j'aurai plus tellement de problèmes que ça au niveau de ma mort, en soi, j'arrêterai de faire les vidéos où je mine. Mais là, pour le moment, c'est pas donné, c'est pas gagné, donc on va faire comme ça. Hop. Et on avait dit qu'on devait récolter de l'or aussi, hein. Au passage. Bon, 32. Là, il y en a plein là-bas. Ouh, il y en a plein là-bas. Hop. Là, il y en a plein là. Oh. Hop. Hop. Voilà. Hop. Bing. Aïe. Aïe. Oula. Ah, je peux placer une amélioration. Très bien. Hop là. Bon, c'est pas grave, on descend, on remontera au bout d'un moment. Hein. Hop. On remontera bien. Là, il y a plein de ferrous. Oh. J'avais vu du monde. Là, il y a du groot. Il y a du groot. Va nous en falloir un petit peu de groot. Un petit peu, mais pas beaucoup. Je vous ai entendu, les bébêtes. Il nous faut du copper aussi. En plus de l'or, parce qu'au moins avec le copper, enfin, au moins. Avec le copper, on peut récupérer de l'or en pulvérise. Et il nous faut de l'or, comme on l'a déjà vu, pour faire plusieurs choses. Pour faire de l'or, enfin, il nous faut de l'or pour faire le truc et faire du félina. Parce que j'ai tellement envie de faire du félina. Elle est morte ou quoi là? Qu'elle fait plus rien celle-là. Ouh! Oui. Ok, bon bah. Ça améliore pas trop, hein, on va dire. On va retourner à notre point de mort. Réacteur. Observatoire qui est là-haut. Le point de mort qui est. Oh, on en a partout. Ça doit être celui-là. 10. On est le 11. On est le 11 au moment de l'enregistrement, donc c'est celui-là. Voilà, parfait. Hop. 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 On va pas réussir à descendre plus bas par là. Hein. Et par là, on est bloqué. Ah. Ah non, me dis pas qu'on est complètement bloqué là. Ah, ça m'embêterait tellement. Hop. Là, je sais pas si on l'atteindra pas là. Il va nous falloir un peu plus de blocs de glowstone pour nous balader. Là-bas, c'est inaccessible. Voilà. Là, on n'en a pas besoin du coup. Parce qu'on peut passer par là. Hop, tac, tac. Tac. Hop. Ouh la merde! Hop. Ah, mais décidément. Ah, on va y arriver. Ou alors je me TP sur place. Hein. Non, là on l'atteindra pas. Là-haut c'est mort. Bon, on va se TP. Au lieu de la mort. Donc c'est J. Hop. Le dernier TP. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, explose-toi dessus. Et puis bute-le. Voilà. Vite, on récupère ça. Vite.
teuf. Et on se barre. Aïe! Non, mais foutez-moi la paix. Fous-moi la paix. Alors, on va se cacher 2 secondes ici. Voilà. On va y aller au marteau, hein. On va retaper dessus au marteau au final. C'est pas si dérangeant que ça en soi. Tac. Tac. Je crois que je t'ai pas vu toi, tac. Aïe! Celui-là par contre j'avais pas vu. Voilà, hop. 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 Toi, tu meurs. Creeper. Hop. Ah bon, on se retrouve au grand point avec tout l'or. Ah! On va y a jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Celui-là? Oui. Aïe, mais merde. Oui, mais si vous vous y mettez à 50, là, on pourra plus s'amuser, là. Je peux plus rien y faire, moi. Bon, peaceful. Voilà. Au moins, on n'en parle plus. Et je suis sûr que même en peaceful, je serais capable de mourir. Voilà, bon. Donc, de l'or, de l'or. Tac, ça on peut le jeter, ça on peut le jeter, ça on peut le jeter. Tac, tac, tac. On avait dit un marteau pour se battre. Hop. Un petit peu d'or, ça fait pas de mal. Hop, voilà. Je crois qu'on était déjà venu ici. Oui, on était déjà venu ici. On pourrait récupérer le coffre par ailleurs. Ce serait pas si nul que ça. Bon. Je sais plus par où on rentrait, on sortait de tout en bas. Hop. J'aimerais bien sortir d'ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux sortir. Y a du route. Ah, de l'or! Dense or gold. Dense gold or, ça c'est bon ça. Et un coffre. Avec du coal. Avec plein de trucs. Ouh! Qu'est-ce qu'on va pouvoir balancer? Le rotten flèche. Les têtes. L'arc. Les strings. Les bones, on va les garder. Les strings, on va les garder aussi parce que il nous faut un peu de laine. Voilà, et on va récolter le dense gold du coup. Voilà. Voilà. Peu de diélorite, ça fait du bien aussi. Du dense copper, ça? Oh putain, mais il y a du dense partout, du dense. Ah! On est tombé dans le coin dense. Dense tin. Dense diélorite. C'est bon ça. Alors ça c'est bon ça. Et il n'y a pas du dense groot aussi, non? Pendant qu'on y est? Non, on sait jamais. Bon, la yellowite, on en a déjà un stack et quelques. On n'a plus besoin d'aller aussi loin que ça pour aller chercher de la yellowite maintenant du coup. Hop, on va essayer de récupérer un peu de trucs qui vont nous manquer à la longue. Voilà, du tin, on n'en a pas des masses. De l'iron, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Du copper, on va se terminer au copper. Ma foi. Et à l'iron.
Je pense qu'on doit être pas très loin d'être full. Oui, on est full, on est full. On va rentrer donc du coup. Alors, par où qu'on rentre? Parce que ça n'a pas changé par contre. Hop. Hop. Par là. Putain, il y a tellement de groutes dans les sous-sols en fait. Qu'on en cherchait partout. Qu'on n'en trouvait pas. Ah! Là, très bien. Donc cobble. On cobble le chemin du retour. Ouh. Ça par contre, faut que j'en prenne. Chaque fois j'oublie, il faut que je les prenne les petits buissons parce qu'on n'a pas d'aluminium qui se craft naturellement dans le monde. Je pense. Je pense. Hop. Ça peut tomber parce qu'on s'en fout. Voilà. Là-bas, il y en a un aussi. Voilà. Par où il y en a encore des trucs d'aluminium? Des petites bouches. Ici. 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 Ah, mais décidément. Puis là, on a notre chemin pour rentrer, mais c'est cool ça. Là, il y en a un. Là. Voilà. Bon. On va se rentrer, on va processer un peu tout ça. Bon, ma chose à savoir, il y a énormément de dense gold, dense tout ça en bas. Je sais pas si on a tout récolté, mais pire, on reviendra pour voir ça. Hop. Et on se rentre. On se rentre bien gentiment. Voilà, et on va aller faire notre truc. Le chemical décomposeur. Alors. On est dessus. Réacteur. Parfait. Réacteur. Réacteur, on va pulvériser, etc. Déjà, on a du lapis qui traîne là. On va aller pulvériser tout l'or qu'on a récupéré, tout le gold or. Et là, on va aller process la yellowrite. Pendant qu'on y est. Non, pas en furnace, pardon. Pardon, pas en furnace. Faut qu'on aille le... Faut pas ici aussi, parce qu'il nous faudrait un petit peu plus de trucs. Bon. Hop. On va ranger tout ici. On va ranger tout ici. Hop. Hop. Voilà, très bien. Très, très bien. Donc, on va prendre un peu de pulvérisé gold qu'on va faire cuire. Des angmal lingots, on en a là qui traînent. C'est très bien. Ça me va, j'aime bien. Hop. Et... Ce qu'on va faire, c'est qu'on est parti pour faire notre chemical décomposeur. On nous avait dit qu'il nous fallait donc du basic capacitor de zinc malène. Il nous faut un bloc d'iron et des pistons. Ok. Bon, ça devrait être sensiblement jouable. Des pistons, de la redstone, du bois qu'on a en haut et de l'iron et de la cobble. Voilà. Il nous faut 8 pistons pour ça. Alors c'est par où ça? L'observatoire il est là-haut. Hop, 8 pistons. Piston, 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 bois, bois. Non, c'est pas ça, c'est ça. Number of items. Voilà, et du bois. Du bois. De la cobble. De la redstone. De l'iron. Voilà, il nous faut 8 pistons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Ça, on jette tout ça, on récupère ça. On va faire donc notre bloc d'iron qui va aller ici, qui va être entouré par des pistons. Et on a notre atomic manipulator. Ouh, et de 1. Alors, chemical décomposeur.
Atomic Manipulator, il nous en faudra de toute manière. Un Atomic Shrinking avec du Damascus Steel Ingots, 4 Damascus Steel Ingots, 4 pistons et un Basic Capacitor avec 2 Zinc Malen, un Copper Gear. Et 2 Zinc Malen comme ça. Voilà, parfait, un Basic Capacitor. Ensuite, il va nous manquer quoi? C'est pas celui-là, c'est celui-là. Il va nous manquer 4 pistons aussi, encore. Très bien. 1, 2, 3, 3, 4. 4, parfait. Ensuite, il va nous manquer quoi? Il va nous manquer les 4 Damascus Steel Ingot. Est-ce qu'on n'a pas du Damascus qui traîne là? Non. On va ranger tout ça dans le... Voilà. Hop, 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 hop. Du gold, j'aimerais bien en avoir un. Est-ce qu'on a des seared stone déjà qui traînent? Non. On n'a plus de Groot non plus, je parie. Parce que ce qu'il faudrait, ce serait qu'on fasse un petit truc à couler, là. Un casting basin, je sais pas si on en a un de casting basin. Casting table. Non. Le Groot, on en a récupéré beaucoup. Parce que I am Groot, non. Ou alors il est en bas. Il nous en faut 7 de Groot. Et si on en a pas assez, il faudra qu'on récupère avec une shovel. Et on en a pas. On a une tête de shovel, mais on n'a pas de quoi récupérer la shovel en soi. On a de la clay, mais on n'a pas de quoi récupérer de la clay en soi. Donc on va aller chercher du Groot. On va aller chercher du Groot. Voilà, juste un petit peu de Groot. Et au pire, je reviens. Voilà, je reviens. Je vais chercher du Groot, je reviens. Voilà, donc je suis allé chercher un peu de Groot. J'en ai fait des Sear Bricks et on va faire une casting table. Voilà, cette casting table, on va la garder de côté. Hop, comme ça. On va faire cuire. J'ai viré, bien entendu, le bronze que j'ai collé là sur le mur. Il est là, le bronze qui est à l'intérieur. On va faire un pulverized gold. On va placer à l'intérieur un ingot comme ça. Voilà, sachant que ici maintenant je me suis rendu compte aussi qu'on avait du Damascus sur nous, donc on pouvait faire le truc du chemical décomposeur qui nous manquait. Voilà, le atom shrinking module, hop, on peut le faire. Hop, ça on peut le faire aussi. Et bim, on a notre chemical décomposeur qu'on va poser ici dans le coin. Quoi poser là, dans le coin là. Hop. Tac. Il est là, il est beau. Il est joli. Alors, à l'intérieur, il faut de la puissance et c'est tout. Il faut de la puissance. Donc, on va le récupérer quand même. On se récupère en se pétant ça. Ouais, parfait. Et on va l'emmener au niveau du réacteur. Réacteur. Réacteur qui est là. Voilà. On va le poser là. Hop. Ici, tiens, ici, hop. Et là maintenant il a de la puissance, il a tout ce qu'il lui faut. Et on peut mettre n'importe quel objet, par exemple on va lui mettre du pulverized gold dedans. Et bim, on obtient du AU. Et le AU c'est de l'or, voilà. Donc, en mélangeant de l'or avec d'autres trucs, on va pouvoir faire différentes choses. Premièrement, on peut faire de l'or liquide avec de l'or. On peut synthétiser de l'or ou de l'électrum en mélangeant de l'or et de l'argent, etc. On peut faire tous nos mélanges comme ça. On peut certainement mélanger avec d'autres trucs. Voilà, un bloc d'or. La gold dust. Des carottes en faisant du rétinol avec de l'or. Mais alors comment est-ce qu'on fait du rétinol? En faisant... OHHC. Donc du rétinol c'est C20H29OH. Ok, donc C20H29OH. Et l'OH ça s'obtient à partir de l'alcool méthylique. L'alcool méthylique ça s'obtient à partir d'un briquet chimique. Ouais. Ok,
Donc nous, le but, ça va être de surtout de faire cocoa, de faire un wheat, de faire du wheat et de faire du cocoa. Surtout des cocoa beans. Alors les cocoa beans, qu'est-ce que c'est? C'est de la théobromine, ce qui veut dire qu'il nous faut 7 de carbone, 8 d'hydrogène, 4 d'azote et 2 d'oxygène. Alors, la matière condensée, ça nous donne de ça. Voilà. La cocoa bean, ça nous donne de la théobromine et de l'acide tannique. Nous, on veut de la théobromine à partir d'un truc. La red matter, comment ça s'obtient? Un red matter avec un biomodifieur. Oula, c'est plein de trucs ça. Le biomodifieur, c'est plein de trucs. De la caféine aussi. On va plutôt faire du sucre. Ah, la sucrose. La sucrose, ça s'obtient comment? Algon. Ah, du sucre dans l'algon, très bien. 65% à partir de la canne à sucre, on obtient de la sucrose. Un bucket de sucrose, oui, bien entendu. La sucrose et du starch à partir du bread. On peut obtenir du bread, de la sucrose à partir du bread. Ah bon? Je savais pas qu'il y avait. Bah oui, il y a du sucre dans le pain. En théorie. Oxygène, hydrogène, carbone. Quand on décompose de la sucrose. Et l'oxygène, on peut en faire quoi? L'oxygène, on peut en faire quoi? On peut en faire plein de trucs. Franchement, plein de trucs. Faire de la cobble avec du silicone et de l'oxygène, c'est excellent ça. Un générateur de cobble avec de l'oxygène. Des endstones, des tonnes de trucs. Très bien. Pour le moment, on a quoi? Nous, on a de l'or. Ok. Il y a quoi dans la cyanite? Du dioxyde de silicone. On va le décomposer en silicone et en oxygène. Voilà. Ça, on a déjà notre oxygène. Voilà, la cobble aussi, il y a de l'oxygène et du titanium. Oh, du titanium, sérieux? Dans un bucket, c'est du fer surtout. Je me demande ce qu'il y a dans de la redstone. On va voir ça tout de suite. Dans la redstone, il n'y a rien. Ah, dans la redstone, il n'y a rien. Très bien. Dans les eaux. Nous avons de l'hydroxylapatite. On va en faire deux. Et on va tout casser. Très bien. On a obtenu du phosphore, de l'hydrogène, de l'oxygène, du phosphorate, du phosphate, PO4. Calcium, PO4, on peut encore le casser. Voilà. Et bah c'est plutôt pas mal ça. Mendeleïev, il doit être content là. Oui, Mendeleïev, c'est la personne qui s'occupait de faire la table de l'uranium. Ah, on a récupéré de l'uranium qui est radioactif par contre. Pendant 4h47 minutes 55 secondes. Ok, très bien, bah c'est bon ça. Ça, je savais pas ça. Ça m'apprend des trucs. L'émeraude, du lapis-lazuli, du tin. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'il nous fallait, nous, de la sucrose? Sucrose. La sucrose, c'est composé de quoi? C12H22O11, très bien. C12H22O11. Sachant qu'on a sur nous du C. Non, c'est du calcium ça. H2O59, on a plein d'oxygène, on n'a pas beaucoup d'hydrogène. À mon avis, l'hydrogène avec un petit bucket d'eau, ça devrait passer tout seul. Avec une petite watering can, je pense. Ouais, on va tester à la watering can. On avait fait une source d'eau infinie, je crois, quelque part. Si on l'a pas acheté.
Là, on a de la cobble. Ça nous fait du titanium, je crois. On n'avait pas vu qu'il y avait. Non, c'était pas du titanium qu'il y avait dedans. Je sais plus. Bon, du coup, on va faire notre clay aussi. On va récupérer la clay pour en créer, crafter du normal. Ça pourrait toujours être utile d'en avoir une petite paire. Hop, la clay. De la kaolinite. Et du nitrate de cobalt. On a récupéré pas mal de kaolinite. Hein. Oh la vache. On va essayer d'en décomposer un petit peu pour voir ce qu'on a dedans. De l'hydroxyde. Hop. Bah, je pense qu'on a ce qu'il nous faut pour faire du nitrate de cobalt. Pour faire de la sucrose. La sucrose, il nous fallait quoi déjà? La sucrose c'est C12 H22O11 H14, merde on n'en a pas encore. Oh, on en a suffisamment. Du carbone, on va aller chercher du. Alors du carbone, c'est tout con. Dans quoi il y a du carbone? Bah dans le charbon. Je crois qu'on a du coal qui doit traîner. Voilà. Peut-être qu'avec le pour ça marchera quand même. Hein. On en aura peut-être moins, mais peut-être que ça marchera quand même. Non, il veut pas. Il veut pas, il faut le process avant. Mal pourquoi il marche même pas là, il marche même pas là. Je pense qu'il doit servir que pour construire en fait, que pour build des trucs. De l'étain, du tin. Si je te mets un peu de tin dedans, est-ce que tu vas bien me faire de l'étain, 48 d'étain. Très bien. On va peut-être faire aussi un coffre pour stocker tout ça parce qu'au bout d'un moment on va en avoir du bordel là-dedans. Force de décomposer les trucs. Il est où mon obs. Ah. Alors, tac 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 tac. Du copper on en garde. Tac. Non. Si. Si 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 si. Il faut qu'on refasse un atom shrinking module et trucs comme ça. Est-ce qu'on a du fer? Oui, on a du fer, mais on en a plein. De l'iron. Alors, on va faire un chemical. Voilà, et c'est l'autre côté, le synthétiseur. Très bien. Le synthétiseur, un bloc d'iron. Le synthétiseur. 8 pistons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un bloc d'iron. Un atomique. Hop là. Et maintenant, un atom enhancing machin chouette. Voilà. Donc avant ça, il va nous falloir un copper gear. Voilà. Avant ça, il va nous falloir aussi de langmalen. Il va nous manquer de langmalen. Langmalen, je crois que c'est gold iron, hein. Truc comme ça. Oui. Parfait. Même pas besoin de le faire fondre, mélanger dans la smelterie, ça, tout seul, ça marche tout seul comme ça aussi. Du coup, on va le faire cuire. Tac. 1. 2. Dungmalon. Parfait. Hop. Basique capacitor, synthétiseur, un atom enhancing machin chouette, on n'en a pas assez donc cobble. Et si on synthétise de l'oxygène avec de l'oxygène, est-ce que ça fait de l'air? Genre je mets deux oxygènes, est-ce que ça va me faire de l'air? Est-ce que surtout ça va pouvoir être exploitable ça? 2, 3, 4, 5, 6. On va pulvériser 6 cobbles. Voilà, ça sort du sand, parfait. Du sand, je crois qu'il y a du silicone dans le sand aussi. Je suis pas certain. Faut regarder. Le 3, 4, 5, 6. Hop là.
Il y a quoi dans le gravier? Y a rien, très bien. Alors. En même temps, je suis bête, on a déjà du glace en haut. On n'est pas obligé de prendre du glace normal, je pense. Le glace de Minecraft qui est pas vie, qui est pas transparent, il devrait passer. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Voilà. Hop. Tac, tac. Atom Energy Module. Synthétiseur. Hop. Et voilà, un chemical synthétiseur. Maintenant, on peut défaire et refaire tout ce qu'on a. Donc, retournons à notre réacteur. Posons notre synthétiseur. Et dans notre synthétiseur, on va synthétiser un peu de kaolite. Oula non, on va juste en poser un. Je pense que c'est ici qu'on pose les récipients. Ah, très bien. Et voilà, on récupère de la clé comme ça. Ça, c'est cool, ça. Ce qui veut dire qu'on a 128 256 de clé. Ce qui est logique puisqu'on a mis 64 hardened clay et que la hardened clay, c'est ni plus ni moins que de la clé, quoi. Donc, si je mets de l'uranium dedans, qu'est-ce qui se passe? Genre, je mets un uranium, un kaolinite. Et une cobble. Rien, dommage. Voilà. Donc on avait dit aussi qu'on voulait faire. On avait dit qu'on voulait faire des trucs. On avait dit qu'on voulait faire du sucre. Le sucre, il nous fallait de l'hydrogène. Et pour l'hydrogène, on avait dit qu'on ferait. Ah, ça marche pas les. D'accord. Par contre, on peut faire des buckets en. Ok. Je sais plus du tout où on a mis la flotte. Hein. Franchement, sincèrement, je suis désolé. J'étais certain de l'avoir. Bucket 3. Bon, bah, c'est pas grave. Au pire, on va en rechercher un petit peu. Mais je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Hein, parce que ça fait un bout de temps que l'épisode tourne. Et on pourrait aussi faire de la lave. Eh oui. Ouais. Je crois que l'eau est un peu partie. Voilà. On va s'arrêter là, les amis. Donc c'était Chad. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On va faire couler le. Eh oh. Bon, très bien. Et là-dessus, tu veux bien? Ah, je préfère. Voilà. On va faire couler le molten gold là-dessus. Et il manquait un. Je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que ça fait un demi. On va se quitter là-dessus, les amis. On se retrouve l'épisode prochain pour beaucoup plus de science. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce chemical décomposeur. Qui m'a l'air d'être quelque chose d'extrêmement sympathique, quand même. Si on pouvait synthétiser de l'eau. Eh mais j'y pense, on peut synthétiser de l'eau, c'est H2O l'eau. Voilà. Maintenant on peut faire des ingots avec ce qu'on a. On va y synthétiser juste avant, on va essayer pour voir si ça marche. Chem. Alors, mine. Oxygène. Il nous faut de l'oxygène, il nous faut de l'hydrogène. Voilà, c'est H2O. H2O si ça marche. Ça devrait marcher, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient pas mis quand même l'eau. Ah tiens, flotte.
Parfait. Bim. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de la flotte? Ah d'accord, ok, ça nous fait 125 000 buckets. 125, 250. Et il nous en faut 4 pour partir de 250, donc il nous en faut 8. Non, il y a 2 de H, pas de l'hydroxyde, de l'eau. Voilà. Je sais plus où on avait chopé l'eau de l'hydrogène d'ailleurs. Sur quoi on l'avait chopé ce coin? Oh, dans l'eau, oui, il y en a. Dans la canne à sucre, il y en a, ouais. Je sais plus. Au pire. Vous savez quoi? On va réessayer, simplement. Je crois qu'il y en a dans la kaolinite. Oui, il y en a. Il y en a même plein dans la kaolinite. Ouais, l'hydroxyde. C'est là qu'on avait chopé de la flotte en partie. Voilà. Tac. Tac. Et attendre qu'on a 8 de flotte. Hop. C'est parfait. J'adore ce jeu. J'adore ce truc. J'adore Mindchimp, franchement. Ça ouvre des horizons insoupçonnés dans l'art de Minecraft. Regardez, je prends de la clé et je fais de la flotte. Je veux dire, c'est magique ça. Si c'est pas magique, qu'est-ce que c'est? Et bim, un bucket d'eau à partir de ça. C'est beau, c'est beau. Je suis même pas obligé d'en refaire en fait de la flotte. Je vais garder l'hydrogène parce qu'on en aura besoin. Mais on va garder ça comme ça, voilà. Hop. Tac. Tac, ça on va le prendre, on va le déplacer un peu, on va prendre des buckets, on va prendre de la cobble. Tac, on va remonter en haut, on va faire notre source d'eau infinie, on se quitte là-dessus, promis. Alors. L'eau elle est là. Voilà. Et l'eau elle est de ce côté-là normalement. Exact. Hop. Et hop, source d'eau infinie, parfait. Donc notre eau infinie, elle est là. Et maintenant, on a de l'hydrogène à l'infini, de l'hydrogène et de l'oxygène à l'infini. Donc les gens, on va se laisser là-dessus. C'était Chad, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Rendez-vous au prochain épisode où on fera beaucoup plus de chimie. On se fera peut-être de la méthamphétamine. Je suis certain qu'il y a moyen de faire de la méthamphétamine là-dedans. Faut juste choper. C'est quoi la formule de la méthamphétamine. S'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, on s'en fera. Je reparlerai au début du prochain épisode. On le fera peut-être pas le prochain épisode, mais quand on sera bien avancé, on fera de la méth. Voilà. C'était Chad. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. À très très bientôt.